Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, pendant que nous sommes en train de le louer, j'ai entendu cette parole, je bâtirai mon église, les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Et là, tout de suite, je viens d'entendre Dieu me dire, pour certains d'entre nous, il va achever les travaux de finition. C'est-à-dire qu'il a été en chantier, il a commencé une œuvre, il a mis la fondation, il a fait les grosses œuvres. Cette nuit, par tes prières, les travaux de finition et de décoration seront accomplis par le Saint-Esprit. Acclame très fort notre Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 16, versets 18 à 20. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Il est rare des moments où je me sens aussi convenable dans la prière prophétique comme maintenant. Quand je l'entends parler, je sais ce qu'il est prêt à faire. Et il dit, et si cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Je vais demander à mon épouse de venir se tenir là. Révérend Hervé, s'il te plaît, viens te tenir ici. Révérend Blessing, viens te tenir là. Révérend Courant, mets-toi de ce côté. Assois, viens te tenir de ce côté. Pasteur Wanda, viens te tenir là. Pasteur Zounon, viens te tenir. Thompson, Pasteur Thompson, s'il te plaît, viens te tenir là. On va faire une première chose. Je vais faire une prière, d'accord. Amen, par rapport à l'autel. Et vous allez étendre vos mains comme des proches collaborateurs sur cet autel de Dieu. Et nous allons prier. Vous allez simplement dire amen à cette prière. Nous allons prier pour cet autel. Révérend Franck, donne-moi l'huile. Brao Shitabri, Sarababo Rondoro, Babori Yasatana Baba. Rababo Sakatari, Sharababo Rondoro, Sakatabri, Rababo Rondo Shikata, Rababo Rondo Saka. On va étendre nos mains vers cet hôtel. Cet hôtel est le symbole de l'endroit où nous sommes connectés à cet endroit dans le ciel. Où Dieu descend avec la nourriture spirituelle pour nous nourrir. Avec sa puissance pour nous délivrer. Amen. Avec sa puissance pour nous guérir. Amen. Avec les instructions pour nous propulser dans notre héritage. Amen. Et le diable sait qu'en combattant cet autel, il combat vos destinées. Il combat la destinée des millions de personnes sur la planète Terre qui doivent être atteintes. Alors une puissance est relâchée depuis l'enfer pour occulter l'ouvrage de cet autel et déstabiliser son fonctionnement. J'ai prié dans le secret et Dieu m'a dit, tu vas reprimander cela publiquement devant toute l'assemblée. Et l'église va basculer dans une autre dimension. Amen. Ta manière de dire amen m'embête. Étends ta main sur cet autel. Père, au nom suprême de Jésus, tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Cette église, c'est ton église. Jésus, c'est toi qui bâtis cette église. Instruis, Seigneur Dieu, de tes ordres. Je viens donc en ce jour reconsacrer cet autel devant de ta face. Décréter, déclarer et établir que quels que soient les complots de l'enfer contre cet autel, cela ne va pas prévaloir au nom suprême de Jésus. Nous annonçons que la voix ou les voix qui se font entendre ici, ta voix Saint-Esprit, par cet autel, va toucher des millions de personnes sur la planète. Et les âmes qui doivent être damnées vont être arrachées des ténèbres au nom suprême de Jésus. À partir de cet autel, les vies vont être bénies, vont être bâties, vont être guéries, vont être restaurées. Au nom suprême de Jésus, les rois et les reines suscités, les ministères révélés. Au nom suprême de Jésus, les vies restaurées, les gouvernants établis, la royauté démontrée. Au nom suprême de Jésus, nous parlons et nous déclarons que cet autel naît et ne sera jamais pollué par quoi que ce soit. Nous nous levons contre toute attaque satanique, opérant au travers de la tactique luciférienne. Nous prenons autorité
contre ses forces. Nous les propulsons dans les abîmes des ténèbres. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Cet autel fera la promotion de l'évangile. L'évangile de puissance. L'évangile de vérité. L'évangile de droiture. Au nom suprême de Jésus. Et à partir de cet autel, le plus petit deviendra en milliers par la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, à la fin des temps, continuera de se révéler. Les hommes et les femmes que Dieu a préparés de façon prophétique à être bénis, instruits par la voix de cet autel. Je décrète, déclare, établi que Satan ne pourra pas l'empêcher au nom suprême de Jésus. J'annonce donc que tout complot dans l'atmosphère au niveau du deuxième ciel pour empêcher à cet autel de faire entendre la voix de la vérité, que ce complot maintenant soit avorté totalement au nom suprême de Jésus. Et que les auteurs de ce complot soient dans la confusion totale, dans le nom suprême de Jésus. À partir de cet instant, nous annonçons en accord que quiconque se lève contre cet autel, le jugement de Dieu se lève contre lui au nom suprême de Jésus. La main puissante de Dieu se déploie pour établir la justice de Dieu dans le nom suprême de Jésus, afin que la gloire de Dieu soit visible dans toute sa dimension au nom suprême de Jésus. Ce que Dieu a annoncé arrive. Les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, le pauvre déclare je suis riche, les lépreux sont purifiés au nom suprême de Jésus. Telle est la parole de l'Éternel. Nous renforçons ces décrets, nous parlons et nous annonçons qu'à partir de cet autel, ceux qui arrivent dans cette église ou sont connectés à cet autel dans le monde, ils viennent chômeurs et repartent avec le travail. Ils sont connectés malades, ils se déconnectent guéris. À cause de la puissance de Dieu, cet autel restaure les cœurs. Cet autel encourage les âmes. Cet autel bénit les vivres. Cet autel conseille les rois. Cet autel suscite des hommes et des femmes établis en autorité au nom suprême de Jésus. Afin que Dieu soit célébré, nous couvrons cet autel du sang de l'agneau. Et nous déclarons depuis son leader établi par Dieu, tous les collaborateurs et toutes les personnes qui passeront dans cet autel, nous refusons tout esprit de corruption au nom suprême de Jésus. Et nous nous soumettons tous à la vérité de Dieu par sa puissance dans le nom suprême de Jésus. Je me lève maintenant contre toute attaque satanique pour déstabiliser la cohésion du leadership. Nous prenons autorité contre ces forces, nous les propulsons dans les abîmes des ténèbres au nom suprême de Jésus. Dieu par cet autel est glorifié. Dieu par cet autel est élevé. Dieu par cet autel est célébré dans les nations dans le nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le voile obscur mis dans le deuxième ciel pour empêcher la percée dans les airs, dans la télévision, partout de la voix de cet autel, nous déclarons que le voile est déchiré au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi afin que Dieu soit glorifié. Que le sang de l'agneau retrouve cet autel au nom suprême de Jésus. Et je viens loindre maintenant de l'huile sainte et déclarer que cet autel est souverainement consacré à Dieu au nom suprême de Jésus. Et le règne des cieux s'établit au nom suprême de Jésus. L'assemblée dit Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Il en est ainsi par sa grâce. On acclame très fort notre Seigneur. Pousse des cris de joie dans la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, ribo chata. Maintenant, étends ta main vers cet autel et demande quelque chose à Dieu. 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 Cet autel a reçu tes sacrifices. Cet autel a reçu tes offrandes. Cet autel t'est redevable. Demande ce que tu désires à Dieu. En tendant ta main vers cet autel, le ciel te répond par sa puissance extraordinaire au nom suprême de Jésus. Étends les mains vers l'autel et étends ta main. Et reçois du ciel ce que le ciel apporte à vie. Et tends ta main. Reçois la capacité d'en haut. Reçois la provision d'en haut. Reçois la force d'en haut. Reçois les directives d'en haut. Reçois les instructions d'en haut. Et tends ta main vers l'autel au nom suprême de Jésus. Continue de prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Jésus lui-même intervient surnaturellement dans ta vie par sa puissance. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que la gloire et l'autel, que l'honneur te soit rendu. Alléluia. Rebo Shatara. Reba Baba Rekochete. Mettez-vous à genoux. Riba Baba Reasata. Riba Rebo Soto Ribabo. Riba Baba Riborondo Ria. Shata Baba. Mettez-vous à genoux. Riba Baba Rio Satara Babo. Randa Cabre, Shadababo. Rakatabre, Sakabro.
Rando kobre karera reka rokondo sakablia rakatable sotobika rekoro bosata rakondo kare bokata rekota mandere kosa reke makakoya sheke boha mandore bakota he rakoma kata enda kobahushikata rababori akanderea shekete oloba rekende okoba sato mande keria kata remo sakate remo Nous te bénissons, Seigneur. Nous exaltons ta fidélité. Ribabo, ribabo, sakata. Rababo, rondo, sekere, rondo, sarababo. Rakatabra. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Étendez vos mains vers ces serviteurs de Dieu qui sont le spécimen de ces hommes et de ces femmes que Dieu, par cet autel, va bâtir, élever, restaurer, bénir. Et que parmi eux, et même ceux qui sont dans l'assistance et ceux qui sont au loin, que le mandat divin rattaché à tous les appels s'accomplisse de façon spécifique par sa gloire, au nom suprême de Jésus. Et que l'huile de Dieu continue de couler. Que les ministères soient révélés et l'impact qu'ils apportent visible et remarquable au nom suprême de Jésus. Et que toute véhilité de Satan pour ruiner et détruire, que cela soit brisé au nom suprême de Jésus. Par eux, tous les serviteurs de Dieu sont consacrés à Dieu, représentés devant le trône de la grâce, au nom suprême de Jésus, pour l'accomplissement des desseins divins, afin que l'agenda de Dieu ne soit point falsifié. Qu'il en soit ainsi. Nous te célébrons, Seigneur, nous te bénissons. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort notre Rédempteur. Alléluia. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Rababou, Sakata, we bless you, God. Thank you, Father, for your goodness. Rababou, Rababou. On cantine l'adoration, on cantine l'adoration. On va l'adorer. Ça, c'est la première phase des sept phases de prière que nous avons ce soir. C'est juste la première phase prophétique. Nous en avons sept séquences. Élevons nos mains vers le Saint-Trône de sa grâce et bénissons notre Dieu. Oh, oui, sur la terre. Oui. Je le glorifierai. Oh, oui. Et je l'exalterai. Je le venez les deux, s'il vous plaît. On va continuer la prière. Et comme j'ai dit, cette prière, oui, est faite sur des fondements sérieux. Alors, c'est juste une, en termes d'illustration, ok? Nous avons le premier Adam. Nous avons le dernier Adam. D'accord? Et le premier Adam est celui qui a commis le péché. Le premier Adam est celui qui a été déchu. Et nous avons été restaurés par le second Adam. Le premier Adam est celui qui a été condamné. Le deuxième Adam, le dernier, est celui qui nous a rachetés. Alors lisons ce texte pour que vous puissiez comprendre, parce qu'on va prier sérieusement. 1 Corinthiens 15, versets 47 à 48. Le premier homme est tiré de la terre. Il s'agit de qui? Le premier Adam. Il est terrestre. Le second est du ciel. Il s'agit de qui? De Jésus. Le premier est de la terre. Le second est du ciel. Verset 48. Tel
est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alors je vous pose une question. Es-tu terrestre ou céleste? Je te repose la question. Es-tu terrestre ou céleste? La Bible dit tel est le terrestre, tels seront aussi les terrestres. Mais tel est le céleste, tels seront les célestes. Donc nous sommes célestes. Je n'ai pas dit que tu es christianisme céleste. Nous sommes célestes. Nous sommes du ciel. Donc notre spiritualité n'est pas basée sur la descendance du premier Adam, mais sur notre filiation avec le dernier Adam. On est d'accord là-dessus? Eh bien, le dernier Adam a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Et il dit dans Colossiens 1, verset 18, qu'il est la tête du corps de l'église. Il dit, je bâtis mon église, je suis la tête. Il dit, je bâtis mon église, je suis la tête. Et nous sommes du corps. Et donc j'ai dit que cette nuit, nous allons justement prier. Regardez ce que le Saint-Esprit a renommé. Relâcher la puissance atomique de la prière. On va prier sur la base de la vérité biblique. Et on va engager justement cette victoire. Premièrement, je voudrais, si tu es ici, que tu puisses rendre grâce à Dieu de ce que tu appartiens à son corps. Regardons Éphésiens 1, verset 3. Vous vous asseoir, s'il vous plaît. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. On a dit, il va nous bénir ou bien il nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Frères et sœurs, cette nuit, vous devez être ferveur, dans la ferveur, Donc, ne prenez plus le temps de vous rasseoir parce qu'on est engagé jusqu'à la fin de la prière. Amen. C'est très important. Notez debout. D'accord? Eh bien, on va donc lever nos mains vers le ciel. Et nous allons rendre grâce à Dieu de notre appartenance au corps. Et rendre grâce à Dieu de ce que, justement, il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Élève ta main, élève tes saintes mains vers le trône de la grâce. Rends grâce à Dieu là où tu te trouves. Père, dans le nom suprême de Jésus, je viens te rendre grâce, car tu m'as déjà, oh Dieu, comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mon âme te célèbre, mon être entier te loue, car tu m'as déjà comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je veux célébrer ta grandeur et bénir ton nom, ô Père, pour les bénédictions qui sont rattachées à ma vie et celles qui sont rattachées à la vie de chaque membre de cette communauté, au nom suprême de Jésus, afin que ton nom soit béni, ton nom soit exalté, ton nom soit élevé, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ton extrême fidélité. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la puissance éternelle de ta grâce soit davantage démontrée au travers de l'Église. Nous te célébrons, nous te bénissons. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Au nom suprême de Jésus. Nous allons continuer de rendre grâce. On est toujours dans les actions de grâce. 2 Corinthiens 2, verset 14. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui nous répand par nous l'odeur de sa connaissance. Est-ce qu'on peut reprendre 1, 2, 3. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors la Bible dit qu'en Christ, il nous fait toujours triompher. Ça veut dire, quelle que soit l'adversité à laquelle on pourra faire face, nous avons l'assurance qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Alors nous allons bénir le Seigneur pour la victoire qui est notre portion, notre alliance de victoire. Élève ta voix, élève ta main, bénis le Seigneur qui te donne de toujours triompher en Christ. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, car tu me donnes de toujours triompher en Christ. Béni sois-tu pour ton extrême fidélité, pour toutes les batailles, les combats, les oppositions, les adversités auxquelles je peux faire face, auxquelles l'Église peut faire face. Nous décrétons, déclarons, établissons que tu nous donnes de toujours triompher en Christ. La victoire est notre portion,
un autre partage. Par ta puissance souveraine, au nom suprême de Jésus, tu nous donnes de toujours triompher en Christ. Nous te bénissons, car nous avons une alliance de succès en toi, dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Père, car tu nous donnes de toujours triompher en Christ. Nous célébrons ta grandeur. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Nous allons maintenant amener le règne de Dieu là où Satan avait imposé son embargo. C'est-à-dire qu'il y avait un embargo, il y avait interdiction, comme on a fait avec les États du Mali. L'État du Mali aujourd'hui, on vient l'embargo qu'il y avait eu sur l'Iran, ou qu'il y a encore sur l'Iran, en disant telle marchandise ne peut pas arriver en Iran, telle chose ne peut pas arriver en Iran. Il y a des embargos spirituels. Le diable décide que dans ta famille, personne ne va atteindre tel niveau, aucune femme ne va se marier, ne va connaître la stabilité. Ce sont des embargos qui ont été pris spirituellement. Donc chaque fois que cela veut arriver, alors le diable dit non, il y a embargo contre ta vie. Nous allons mettre fin à tout embargo spirituel. Amen. Ta manière de dire amen m'embête. Amen. On va mettre fin à tout embargo spirituel. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus, Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Maintenant, on va lire, on va aussi lire 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, car vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Selon Luc 10, verset 19, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc cette nuit, nous allons, je vais, avec l'autorité de Dieu, en accord avec tout le clergé ici, quel que soit le lieu où tu te trouves, nous allons prier pour mettre fin à l'embargo qui est sur ta vie. Et tu vas simplement dire amen. Oh, j'ai dit, tu vas dire amen à la prière. Amen. Alors maintenant, mets ta main sur ton cœur, quelque part où tu te trouves. Et donc, je vais prier. Au nom suprême de Jésus. 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 Maintenant. 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 Je me tiens. Je retiens. Sur la justice. Sur la justice. Sur la justice. Sur la justice. De la croix. De la croix. Et je déclare. Et je déclare. Sur ta vie. Sur ta vie. Le règne. Le règne. Le règne. Le règne. Le règne. Le règne. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Je décrète. Je décrète. Je déclare. Je déclare. Et j'établis. Et j'établis. Il est écrit. Il est écrit. Je bâtirai. Je bâtirai. Mon église. Mon église. Et les portes. Et les portes. Du séjour des morts. Du séjour des morts. Ne vont pas prévaloir. Contre elle. Contre elle. Maintenant, maintenant, là où tu es, là où tu es, je déclare, je déclare, parce que tu es, parce que tu es enfant de Dieu, enfant de Dieu, quel que soit les embargos qui ont été pris dans le monde, dans le monde spirituel, spirituel contre ta destinée, contre ta destinée, je mets fin à cela, à cela. Maintenant, maintenant, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, que la main de Dieu, la main de Dieu, dans sa puissance, dans sa puissance, dans sa gloire, dans sa gloire, se déploie, se déploie dans ta vie, dans ta vie. Et que le règne de Dieu, que le règne de Dieu soit une évidence, soit une évidence absolue, absolue à tous égards, à tous égards, au nom de Jésus, 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 je parle, je parle sur ta vie, sur ta vie, je déclare, je déclare. On a ordonné, on a ordonné un embargo, un embargo en ce qui concerne, en ce qui concerne ta destinée, ta destinée, ton appel, ton appel. Il a été dit, il a été dit, tu ne réaliseras pas, tu ne réaliseras pas les rêves de Dieu, les rêves de Dieu à ton égard, à ton égard. Investi de l'autorité de Dieu, de l'autorité de Dieu, en accord, en accord avec, avec la cour céleste, la cour céleste de justice, de justice, rappelant, rappelant que Jésus a servi de rançon pour ta vie, pour ta je vie. Proclame, je proclame que tous les sacrifices, tous les sacrifices qui ont été faits qui ont engagé ton nom, ton nom, même dans la lignée, même dans la lignée, par le sang, par le sang, c'est neutralisé, neutralisé, c'est neutralisé, neutralisé, c'est neutralisé, neutralisé, c'est neutralisé, c'est neutralisé, c'est détruit, détruit au nom suprême de Jésus. Et la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est ton partage, est ton partage, est ta portion, est ta portion, est ton héritage, est ton héritage, est ton héritage. Je parle
sur ta vie. Je décrète. Je décrète. Je décrète. Je déclare. Et j'établis la fin de l'embargo au niveau de ta famille. De ta famille. De ta famille. De ta famille. De ton travail. De tes affaires. De ton ministère. De tes finances. De ta vie spirituelle. Je déclare le contraire de ce que le diable a arrêté te concernant arrive maintenant au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. 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 De la même manière que le péché est entré dans le monde par un seul homme et que le péché a régné par lui seul, me tenant sur l'autel de Dieu, me tenant, me tenant, me tenant. Me tenant tenir sur l'autel de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Je décrète. Je déclare. Et j'établis. Que par un seul autre homme. Christ Jésus. Enseveli. D'entre les morts. Ressuscité. Le troisième jour. Ta vie. La vie. Ta vie. Ta vie. Ta vie. Ta vie. Ta vie. Ta vie. Est condamnée. Est condamnée. À passer. À passer. En notre palier. En notre palier. En notre niveau. En notre palier. En notre niveau. Au nom suprême de Jésus. J'annonce sur ta vie. Qu'il est illégal. Qu'il est illégal. Il est illégal. Il est illégal. Il est illégal. Il est illégal. Que tu subisses. Que tu subisses. L'outrage. L'outrage. Du péché. Du péché. Causé. Causé. Par Adam. Par Adam. Car. Car. Tu n'es plus terrestre. 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 Tu es céleste. Tu es céleste. Tels sont les terrestres. Tels sont les célestes. Que maintenant. Que maintenant. La gloire. La gloire. Du céleste. Du céleste. Du céleste. Du céleste. Du céleste. Du céleste. De Jésus. De Jésus. Du céleste. Du céleste. De Jésus, de Jésus, descende sur ta vie. Descende sur ta vie. Et lève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu. 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 Et lève ta voix. Rends grâce à Dieu. Car tu n'es plus sous la condamnation. Jésus t'a affranchi. Et lève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ta destinée. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Robo Shakatari Babo. Robo Shakatari. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rababo Shakatari. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. 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 Bien, regardez ce qui a été écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Déclare après moi les mains levées vers le ciel. Je suis le champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. Encore. Je suis le champ de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. Très bien. Eh bien, si tu es le champ de Dieu, si le voleur réussit à venir voler dans ta vie, c'est qu'il vole dans le champ de Dieu. Si le voleur réussit à venir voler dans l'édifice, c'est qu'il est en train de voler une propriété qui appartient à Dieu. Donc, ce n'est pas possible. Amen. Cela n'arrivera pas. Amen. Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10, il est écrit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons donc maintenant, chacun pour notre part, élever sa voix vers le trône de la grâce et appeler le règne de Dieu.
dans notre appel, dans notre vie, relâcher justement le règne de Dieu, appelons ce règne à tous égards au nom suprême de Jésus. Et après nous allons faire des prières d'accord. Élève ta voix. Appelle le règne, appelle le règne. Appelle le règne de Dieu. Élève ta voix, appelle le règne de Dieu. Appelle ce règne dans le nom suprême de Jésus. Père, je vais te rendre grâce pour ton règne dans ma vie, spirituellement, à tous égards. J'appelle la manifestation de ton règne dans le nom suprême de Jésus. J'appelle ce règne à démonstration éternelle dans ma vie, au nom suprême de Jésus. J'appelle le règne sur le plan spirituel. J'appelle le règne sur le plan émotionnel. J'appelle le règne au niveau des pensées. J'appelle le règne au niveau des finances. J'appelle le règne sur l'église. J'appelle le règne à la vie de chaque membre de cette assemblée par la puissance extraordinaire du Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus. J'appelle ton règne, Seigneur. J'appelle ton règne, j'appelle ton règne. J'appelle ton règne, j'appelle ton règne. J'appelle ton règne, j'appelle ton règne. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Pose ta main quelque part sur ton corps et tu vas redire Amen après nous dans la prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'appelle ton règne. J'appelle ton règne. Sur la vie. Sur la vie. Sur la vie. Sur la vie. De chaque personne. De chaque personne. Connectée. Connectée. À cet hôtel. À cet hôtel. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. J'engage. J'engage. La dynamique. La dynamique. Atomique. Atomique. De la puissance. La puissance. De la prière. La prière. Par l'onction. Par l'onction. Du corps. Du corps. Dans sa vie. Dans sa vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Afin de ruiner. Les œuvres. Des ténèbres. Rattachées. Rattachées. Ta vie, à ta vie et à ta destinée. Destinée. J'envoie cette parole maintenant. Suis ton corps. Suis ton corps. Suis ton âme. Suis ton âme. Suis ton esprit. Que la puissance de la vérité enrobe ton corps entier et libère. 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 Ta vie de toute oppression démoniaque. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Ta vie est libérée. 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 Au nom suprême de Jésus. Maintenant, je parle à ton appel. À ton appel. À ton appel. À ton appel. Au mandat de Dieu. Sur ta vie. Je déclare. Tu ne mourras pas avant ton heure. Non. 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 Tu accompliras le dessein de Dieu. Tu témoigneras de la grâce de Dieu dans ta vie. Dans ta famille, je libère ton mariage, ton mariage, ton mariage, je libère tes enfants, tes enfants, tes enfants, je libère tes finances, j'appelle sur ta vie maintenant la puissance, la puissance de la résurrection, la résurrection, la résurrection, la résurrection, ce qui était mort, ce qui était mort, revient à la vie. Ressuscite maintenant par la puissance de Dieu. La gloire de Dieu est ton partage, est ta portion, ton héritage, la faveur de l'éternel t'accompagne. Maintenant, j'appelle sur ta vie la démonstration de la gloire de Dieu sur tes idées. Les idées, les idées, les idées, les idées, les idées, qui arrivent au thème, qui arrivent au thème, qui arrivent à thème, par la puissance de Dieu. J'annonce que rien, 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 rien de ce que Dieu t'a donné ne mourra, car la main de Dieu est sur toi pour te secourir, te secourir, te protéger au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame-le. Alléluia. Élève maintenant ta main. Élève ta voix. Et dis au Seigneur, je retrouve le trône de ma destinée. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu pour le trône de ta destinée.
Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Tu retrouves le trône de ta destinée. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rokoto Brendeka. Tu retrouves le trône de ta destinée. Tout ce qui a occulté la gloire de Dieu dans ta vie est neutralisé. Rends grâce à Dieu. La victoire est ton partage. La victoire est ta portion. Là où tu es, élève ta voix vers le centre de sa grâce. Bénis l'Éternel. Lui qui a commencé cette belle œuvre dans ta vie sera la parfaire au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, ton Créateur, ton Sauveur et ton Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Rabosa Kazebosata. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. En vertu des pouvoirs, en vertu des pouvoirs que le ciel, que le ciel m'a conféré, m'a conféré, je décrète, je déclare, je déclare et j'établis que ce qui dérangeait ta vie jusqu'à présent est ôté, est ôté, au nom suprême de Jésus. Ta délivrance n'est pas demain, c'est ce soir. Ta délivrance est ce soir. Ta délivrance est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Cette nuit. Cette nuit. Au nom suprême de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons aller à la quatrième séquence de ce temps de prière. Et là, je vais, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, je vais prononcer certains divorces. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu vas comprendre tout à l'heure, acte 26, versets 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, afin que tu leur ouvres les yeux. On a dit à qui? C'est à qui? Qui parle là? C'est qui? C'est Paul. On dit afin que qui ouvre les yeux? Paul a été suscité pour ouvrir les yeux. Je déclare sur ta vie que tes yeux ne seront plus jamais voilés. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Amen. 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 Les mystiques disent qu'ils voient. Mais toi, c'est toi qui vois. Amen. Tu vois clair. Amen. Tes yeux ne seront plus jamais voilés. Amen. Et la Bible dit, afin que, verset 18, afin qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Cette nuit, tu dois faire la traversée. Amen. Tu dois traverser cette nuit. Amen. Tu quitteras le camp des ténèbres pour le camp de la lumière. Amen. Et il dit, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses, sont devenues nouvelles. Alors maintenant, lève tes deux mains et répète tes phrases inspirées par le Saint-Esprit. On va faire tous ensemble, vous tout le monde ensemble. Lève tes deux mains vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Satan, Satan, je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. J'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie à Dieu. À Dieu. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Car je reconnais. Je reconnais que Jésus est pour moi. Est pour moi. La rançon de Dieu. De Dieu. Payée. Payée. Pour ma liberté. Pour ma liberté. Alors. Alors. Aujourd'hui, aujourd'hui, je déclare que toute alliance, tout mariage, tout pacte, contracté, avec toi, Satan, par mes pères, ou même par moi, consciemment, ou inconsciemment, ces mariages, je dénonce, je révoque, et j'annule, je déclare. Satan, je n'ai rien à
avec toi, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Je suis en Christ, dans son corps. Je suis passé des ténèbres à la lumière. J'ai quitté les prisons de Satan pour le palais royal de Dieu. Oui, je ne suis plus un enfant des ténèbres. J'appartiens à la glorieuse lumière de Christ. C'est pourquoi je brille dans la vie, dans la société. Je brille dans le couloir de ma destinée. Toute maladie, toute pauvreté, tout projet de mort prématurée est neutralisé. Et tout mariage dans le monde occulte est brisé. Le divorce est prononcé au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que même dans le monde occulte, il y a le prêtre, il y a le sacrificateur. C'est lui qui reçoit le sacrifice lors des alliances contractées. Alors moi, je me tiens devant l'autel représentant le sacrificateur de Dieu. Et je vais donc maintenant prononcer sur ta vie, effectivement, dans tous les domaines, les divers mariages qui ont continué d'avoir leur emprise. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils sont liés. Mais cette nuit, tu es délié et tu rentres libre. Amen. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ta vie se transforme en témoignage. Amen. Ta vie se transforme en témoignage. Amen. Ta vie se transforme en témoignage. Amen. Je déclare et j'établis sur ta vie en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conféré en tant que sacrificateur de Dieu. J'annonce que le sacrifice pour ta liberté a été reçu à Golgotha. Le sang a coulé pour l'alliance. C'est pourquoi maintenant sur une alliance plus forte que l'ancienne alliance j'annonce que tout lien tout mariage où ton nom avait été cité par alliance ou consciemment ou par des paroles annoncées contre ta vie, les imprécations, les sorts, les malédictions, les souhaits, je décrète, je déclare et j'établis que ces mariages sont considérés comme nuls, annulés. Le divorce est prononcé au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus concerné par ces alliances. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a limité les gens de ta famille ne te limitera pas. Le divorce est prononcé. Au nom suprême de Jésus. Acclame le Seigneur.
Le divorce est prononcé. Le divorce est prononcé. Mais tu n'es pas une femme libre. Parce que là, dès que le divorce a été prononcé, il y a un autre gars qui t'a récupéré. Le mariage est scellé. Le mariage est scellé. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame-le. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Le ciel ne reconnaît pas la polyandrie. Au ciel, il n'y a pas deux maris pour une femme. Même dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas permis la polyandrie. Donc si tu es l'épouse de Christ, tu ne peux pas être marié à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas compris. On ne peut pas être époux du Seigneur et épouse des démons. Ouais, non, ce n'est pas possible. Amen. Déclare maintenant, je suis libéré. Prononce toi-même. Déclare-le. Déclare-le sur ta vie. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je ne suis pas marié avec le diable, avec les démons, avec les puissances occultes. Je prononce sur ma vie et sur la vie de ce peuple une liberté totale. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La liberté totale par le Saint-Esprit dans le nom suprême de Jésus. Il en est ainsi à tous égards par la puissance surnaturelle de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Amen. Dans la cinquième séquence, nous allons simplement annuler l'agenda de l'enfer. On va simplement annuler l'agenda de l'enfer. Ce qu'ils avaient prévu à ton égard, ce qu'ils avaient prévu à mon égard, n'arrivera pas. Amen. Dans Luc 22, verset 32, il est écrit, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La prière a la capacité de faire avorter les desseins de Satan. Qu'importe ce qu'ils t'ont dit. Aussi longtemps que celui que je sers s'appelle Jésus, ma main est levée vers le ciel et je déclare que tu sois en Chine, que tu sois en Suède, que tu sois en Guadeloupe, que tu sois en Martinique, que tu sois au Japon, que tu sois au Togo, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Burkina Faso, que tu sois au Mali, j'appelle et je déclare sur ta vie que ce qu'ils ont dit te concernant n'arrivera pas. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. L'ennemi va s'entêter est venu vers toi par un chemin. Mais par sept chemins, il s'enfuira. Au nom suprême de Jésus. Car une muraille de feu t'environne, te protège contre tous les assauts du malin. Au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare. Ils ont annoncé les accidents. Ça n'arrivera pas. Ils ont prononcé et les décrets d'incendie. Ça n'arrivera pas. Ils ont parlé pour ta mort prématurée. Cela n'arrivera pas. Amen. Les décrets de malédiction diverses, cela n'arrivera pas. Amen. Ils ont dit que tu vas bâtir ta maison, tu ne vas pas l'achever. Cela n'arrivera pas. Amen. Ils ont dit que tu termineras ta vie locataire. Cela n'arrivera pas. Amen. Je révoque cet agenda. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Ils ont dit que tu termineras tes études, mais tu n'auras pas de travail. J'annule ce décret. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Cet agenda n'arrivera pas. Ils ont dit que tu seras couvert d'un vêtement de honte, mais moi je décrète, déclare et établis. À cause de ta position en Christ, le vêtement de la gloire de Dieu Amen. Te recouvre au nom suprême de Jésus. Amen. Cela n'arrivera pas. Amen. Cela n'arrivera pas. 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 Au nom suprême de Jésus. Ils ont dit que dans ta famille, aussi belle que vous êtes, vous allez être de vieilles filles célibataires. Mais je décrète, déclare, établi, cela n'arrivera pas. Au nom suprême de Jésus. Ils ont dit que tu vas marcher en tâtonnant, que tes affaires vont commencer et puis s'ébranler. Mais je décrète, déclare, établi,
au nom suprême de Jésus, cela n'arrivera pas. 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 Déclare après moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Déclare-le encore. Je ne suis pas concerné. Et encore. Je ne suis pas concerné. Oui, tu n'es pas concerné. Je ne suis pas. Car la main de Dieu est sur ta vie. Amen. La main de Dieu est sur ta vie. Amen. Ils ont déclaré que tout argent que tu toucheras entre tes mains, de cette année 2020, de 21 jusqu'en 2007, cet argent va s'évaporer, passant comme sur une passoire. Alors je décrète, déclaré, établi, que cela est révoqué. 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 Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. C'est ton partage. C'est ton partage. C'est ta portion. C'est ta portion. C'est ton partage. C'est ton partage. C'est ta portion. C'est ta portion. C'est ton partage. C'est ton partage. C'est ta portion. C'est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Mais je déclare plutôt. Je déclare sur ta vie. 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 Que tu verras. Que tu verras. Les anges. Les anges. Monter. Monter. Descendre. Descendre. Monter. Monter. Descendre. Descendre. Monter. Monter. Descendre. Descendre. Monter. Monter. Descendre. Descendre. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire que la raison pour laquelle il dit que les anges ont monté, c'est parce qu'ils sont déjà là. Amen. Amen. On n'a pas dit qu'ils vont descendre et monter. Mais on a dit qu'ils vont monter et descendre. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. L'ange et l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent. Amen. L'ange est déjà là. Amen. Il est déjà à tes côtés. Par la puissance de Dieu. Amen. Puissance de Dieu. C'est ton partage. C'est ton partage. C'est ta portion. C'est ta portion. C'est ton partage. C'est ton partage. Ils ont prévu la ruine. 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 Le désastre. Le désastre. La calamité. La calamité. Les pleurs. Les pleurs. Les larmes. Les larmes. Mais moi je dis. Mais moi je dis. Mais moi je dis. Mais moi je dis. Investi de son pouvoir sacré. Sacré. Maintenant. Maintenant. Sur sa parole. Sur sa parole. Je dis. Je dis. Maintenant. Maintenant. Que cela n'arrivera pas. Que cela n'arrivera pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Les gens qui t'observent. Les gens qui t'observent. Les gens qui te regardent. Les gens qui te regardent. Les gens qui te voient vivre. Les gens qui te voient vivre. Auront l'impression. Auront l'impression. Que toi. Que toi. Tu as mis ta main. Tu as mis ta main. Quelque part. Quelque part. On t'accusera. On t'accusera. On t'accusera. D'être occultiste. D'être occultiste. D'être magicien. D'être magicien. D'être sorcier. D'être sorcier. Car la puissance. Car la puissance. Qui se déploie. Qui se déploie. Dans ta vie. Dans ta va vie. Va te faire monter. Te faire monter. À la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Reçois ta promotion. 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 À tous égards. À tous égards. Au nom de Jésus. Fais comme ça, fais comme ça, tu reçois, saisis. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. C'est ton partage et ta portion. C'est ton partage et ta portion. C'est ton partage et ta portion. C'est ta portion, ton partage et ta portion. C'est 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 ta portion. Reçois. 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 Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Parce que tu n'es pas un chrétien. Parce que tu n'es pas un chrétien. Et que tu es un enfant de Dieu. Et que tu es un enfant de Dieu. Alors. Alors. Je décrète. Je décrète. Je déclare. Je déclare. Et j'établis. Et j'établis. Que l'héritage. Que l'héritage. Des fils. Des fils. T'es accordé. T'es accordé. Reçois-le. Reçois-le. Maintenant. Maintenant. Nous allons aller à une autre séquence. On va appeler la manifestation de notre héritage en Christ. Amen. Frère, nous sommes fatigués de voir des personnes qui confessent qu'ils sont enfants de Dieu sans évidence. La preuve de notre appartenance à Christ, ce sont les évidences de la manifestation de sa vie au travers de nous. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ta vie est condamnée à être productrice de preuves. Dis-le à quelqu'un d'autre. Tu vas produire des preuves et des évidences. Amen. De ton appartenance au royaume des cieux. Acclamons le ressuscité. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Alléluia.
Amen. Frère, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais un homme comme moi, si on enlève Jésus, je ne suis plus rien. Je ne sais pas ce qui te concerne. Je ne sais pas ce qui te concerne. Si on m'enlève Jésus, je n'ai plus rien. À moi, je suis clair. Ce n'est pas un diplôme qui m'a fait. Ce n'est pas un père qui m'a fait. Ce n'est pas l'argent que ma tante m'a laissé qui m'a fait. Ce n'est pas un fidèle de l'église qui m'a fait. Si tu m'enlèves Jésus, je ne suis plus rien. Mais nous allons entrer dans notre héritage. Frères et sœurs, s'il y a un domaine où je suis confiant davantage à ce domaine, tu vas nager dans la gloire qui t'est réservée. Amen. Quelqu'un dit, je suis en Christ. Je suis en Christ. Encore. Je suis en Christ. Encore. Je suis en Christ. Écoutez-moi bien. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite, est venue au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. C'est cette parole qui a été crucifiée, c'est cette parole qui a été ensevelie, c'est elle qui a été ressuscitée. Mais la Bible dit de cette parole que quand elle a été crucifiée, nous étions en elle. Et quand elle a été ressuscitée, nous étions en elle, dans cette parole, en Jésus-Christ. Nous étions en Christ. Donc si nous reconnaissons, selon Romains 3, verset 23, que c'est par le péché que les hommes ont été privés de la gloire de Dieu, et que nous ne sommes donc plus de ces hommes privés de la gloire parce qu'on n'est plus de la lignée d'Adam, alors tout ce que le péché avait volé ne doit plus être listé dans les choses qui nous appartiennent. Amen. Si donc nous retrouvons chez nous la pauvreté, la maladie, les malédictions, alors Christ serait mort en vain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? S'il vous plaît. Quelqu'un de vous a passé un concours avant de tomber malade? Répondez-moi. Votre bébé qui a eu la varicelle, il a passé un concours? Pourquoi il a eu la maladie? Par l'héritage au niveau d'Adam, génétiquement c'est Adam. Mais la Bible dit que toi et moi, on n'est plus concernés. Amen. Mais la Bible dit que nous saisissons la grâce par la foi. Amen. Donc nous allons engager notre foi ce soir. Frères et sœurs, assez. Regardez Ephésiens 1, verset 3. Il est écrit quoi? Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons 1, 2, 3. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On reprend 1, 2, 3. On a dit quel type de bénédiction? Toutes sortes. On a dit quoi? Toutes sortes. Très bien, frère. Ça s'appelle bénédiction illimitée. Toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut désirer qui n'existe pas en Christ. Amen. Alors si ce n'est pas en Christ, ce n'est pas pour nous. Tout est en lui. Ephésiens 1, verset 18. Le même apôtre Paul dit, c'est là, mais le problème, c'est que vous ne voyez pas. Maintenant, tu vas voir. Un, deux, trois, on va lire. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui se rattache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, le problème, c'est qu'il dit, priez pour que vos yeux s'ouvrent. Dis à ton voisin, tu dois voir clair. Ah non, s'il te plaît, dis-le bien. Maintenant, mets prophétiquement tes deux doigts sur les yeux. C'est prophétique, déclare après moi. Père, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Je veux voir clair. Je veux voir clair. Je veux voir clair. Je veux voir clair. En ce qui concerne, la richesse, de la gloire, que tu réserves, au sein, et l'espérance, qui se rattache, à mon appel. À mon appel. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux. Oh mon Père. Oh mon Père. Car je sais, que je ne peux pas posséder, ce que, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Spirituellement, tout ce qui
est à moi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Sur la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves au sein. Alléluia. Amen. Enlève les mains maintenant. Restons calmes un moment. Saint-Esprit, je vais t'en supplier. Au nom suprême de Jésus, ce ne sont pas les discours d'un homme qui pourront apporter la conviction dans le cœur des humains. Père, de la même manière que de façon surnaturelle, tu m'as visité depuis 1997 en Sierra Leone où tu as commencé à me parler avec instance et précision chirurgicale de la richesse rattachée à la rédemption par le sang. Je t'en supplie, toute personne connectée à cet hôtel à ce moment de prière, que cette personne soit visitée de façon surnaturelle. Amen. Que tu donnes à ces personnes de ne pas s'arrêter à la compréhension intellectuelle de cette vérité. Mais transporte-nous dans la dimension de la révélation. Amen. Afin qu'avec nos yeux intérieurs, notre homme et les yeux de notre cœur, nous puissions voir quelle est la richesse de cet héritage. Amen. Et que maintenant, Éternel, équipé par toi et porté sur les ailes de ta grâce, nous puissions aller, Éternel, là où tu veux qu'on aille, faire ce que tu veux qu'on fasse, et que nous puissions être poursuivis par la création qui soupire après la révélation des fils que nous sommes. Père, nous te bénissons pour la manifestation de ta gloire et l'établissement de ton règne. Maintenant, tu vas décréter après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ton saint nom. En ton saint nom. Je me tiens. Je me tiens. Devant le trône de la grâce. Devant le trône de la grâce. Et je déclare. Je déclare. Que l'esprit. Que l'esprit. Qui a ressuscité. Qui a ressuscité. Jésus. Jésus. D'entre les morts. D'entre les morts. Habite. Habite. Dans mon corps. Dans mon corps. Alors. Alors. Je réclame. Je réclame. Maintenant. Maintenant. La manifestation. La manifestation. De la santé divine. La santé divine. Touche ton corps. La santé divine. La santé divine. La santé divine, la santé divine, la santé divine dans mon corps. Je maudis l'établissement de tout cancer, de toute maladie génétique. Je détruis, je détruis au nom suprême de Jésus. Je déclare par les mains tissus de Jésus, je suis en bonne santé. J'annonce que ni la Covid ni les maladies semblables qui frappent cette génération ne m'atteindront, car la main de Dieu est sur ma vie pour me délivrer, pour me restaurer, pour me racheter. Au nom suprême de Jésus, je suis en bonne santé. 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 Pose ta main là où tu avais un problème. Si tu es malade, si tu n'as aucun problème, pose seulement ta main sur ta tête. Laisse-moi renforcer les décrets de la santé divine sur ta vie. Il est écrit, par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Père, nous voulons te rendre grâce et bénir ton nom. Car ce n'est pas le bruit qui produit l'onction. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. J'envoie maintenant ta parole en mission. Partout où les gens sont connectés sur la terre. Que ce soit des questions de folie, que ce soit des questions de diabète, que ce soit des questions de cancer, que ce soit des problèmes des os, que ce soit des problèmes des yeux, que ce soit un problème au niveau des oreilles, que ce soit l'hernie fiscale, que ce soit au niveau du dos, que ce soit au niveau des fesses, des reins, que ce soit dans le cœur, dans le foie, que ce soit dans les intestins, que ce soit au genou, que ce soit à la plante des pieds, que ce soit au tibia, au mollet, je déclare établi l'effusion de ta puissance dans ces corps pour restaurer les membres au nom suprême de Jésus. Amen. Et si un membre avait été détruit, que maintenant, par la puissance de Dieu, il puisse avoir un changement de membre. Amen. Par une pièce de rechange descendant du ciel. Au nom suprême de Jésus. Que la santé soit restaurée. Restaure. Je déclare sur la vie de chaque personne ici, la santé divine est en partage. Ceux qui sont connectés à cet hôtel, j'appelle la santé divine. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Ils ont dit que cette maladie était incurable. Mais moi je déclare qu'elle a déjà été guérie. Amen. Et que toute personne qui déclare une maladie incurable est limitée dans son entendement. Nous sommes des hommes spirituels. Amen. Nous sommes en bonne santé. Amen. Par les mains tissues desquelles nous avons été guéris. Amen. Je déclare aussi que le médecin t'a donné quelque temps à vivre. De la même manière que nous avons été témoins ici, des personnes guéries de cancer à distance aux États-Unis, guéries sur une parole, guéries depuis la Guadeloupe, guéries en Guyane, guéries en Belgique.
J'envoie cette parole sur ta vie. Je déclare établir la liberté totale au nom suprême de Jésus. Amen. Il envoya sa parole à mission et sa parole est guérie. Amen. Sois en bonne santé au nom suprême de Jésus. Amen. La santé divine est ton partage. Lève ta main et remercie le Seigneur pour l'héritage de la santé. Remercie le Seigneur pour l'héritage de la santé. Remercie le Seigneur pour l'héritage de la santé. Rends grâce à Dieu, est-ce que tu es en bonne santé? La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Rends grâce à Dieu pour la santé divine. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. Il est écrit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la défaite. Christ en vous, l'espérance de la pauvreté. Qu'est-ce qui est écrit? Christ en vous, l'espérance de quoi? La gloire. La gloire, ce n'est pas un mot abstrait qui est en train de décrire un événement d'une fumée qui jaillit et qui monte. Comme cette gloire que nous entendions parler avant dans nos églises. La gloire de Dieu, elle est sur le toit de ma maison. Non, ce n'est pas juste une fumée. C'est quelque chose qui se démontre au quotidien dans la vie du croyant. Amen. Alors, je vais donc appeler sur ta vie... Rido, brico, chata, brendori. Répète après moi ces paroles. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Mon Dieu. Mon Dieu. Du Nord. Du Nord. Au Sud. Au Sud. De l'Est. De l'Est. À l'Ouest. À l'Ouest. J'appelle. J'appelle. L'héritage. 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 Je maudis. Je maudis. La pauvreté. La pauvreté. Je décrète. Je décrète. Je déclare. Je déclare. Et j'établis. Et j'établis. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Christ en moi. Christ en moi, l'espérance, 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 l'espérance de la gloire, 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 de la gloire. J'appelle, j'appelle toute provision prophétique, prophétique, attachée, attachée à ma vie, des quatre coins, des quatre coins, cardinaux, cardinaux. Je parle, je parle, je dis création, création. Me voici, me voici, me voici, me voici. J'appelle, j'appelle l'or, l'or, le diamant, le diamant. La bauxite, le cacao, l'uranium, le pétrole, manganèse. J'appelle, 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 j'appelle les maisons, les voitures, les jets privés, les hélicoptères. J'appelle, 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 j'appelle. Maintenant, maintenant, je lève ma main, je lève ma main vers le ciel, vers le ciel. J'ai dit Satan, je dis Satan, dégage, 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 dégage. Car, 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 car. Jésus, Jésus, a versé, a versé le sang, le sang. C'est illégal, il est illégal de bloquer, de bloquer mon ciel, mon ciel. C'est illégal, il est illégal. Satan, Satan, démon, démon, maman, maman. Dégage, 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 dégage. Et que la pluie, et que la pluie, d'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut. Descend sur moi, sur moi, sur ma vie, sur ma vie, sur ma famille, sur ma famille, sur mes affaires, sur mes affaires, sur mon travail, sur mon travail, sur mon travail, sur mon entreprise, sur mon entreprise, sur mon ministère, sur mon ministère. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi. Je déclare la fin. La fin, la fin, la fin de la sécheresse, la sécheresse. La fin, la fin de la sécheresse, la sécheresse. La fin, la fin de la sécheresse, la sécheresse. Car, car la pluie de l'arrière, de l'arrière et de la première saison, saison descend, descend sur ma vie, sur ma vie. Ma terre, ma terre, ma terre, ma terre est fertile, est fertile. Je porte des fruits, des fruits. La gloire de Dieu, à 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 la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen trois fois. Amen. 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 Acclame très fort le roi de gloire. Dieu me dit de te rappeler que lui-même n'a pas la capacité d'annuler les plans qu'il a pour ta vie. C'est-à-dire qu'il s'est interdit de les annuler. Il s'est interdit. Quand il a arrêté un plan, il ne change pas. C'est pourquoi l'appel et les dons de Dieu dans la vie d'un croyant sont irrévocables. Il ne change pas. Deuxièmement, quel que soit l'éloignement du couloir de notre destinée, si nous revenons d'un cœur, sincère, il nous ramène sur le chemin. Quelle que soit la faute commise, si on est repentant, il nous restaure. Il n'y a aucun péché commis qui peut empêcher la gloire de Dieu de nous rattraper et de nous restaurer. Si ce n'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais toi, tu n'as pas blasphémé. Il n'y a aucune maladie qui ne peut guérir. Le mot impossible n'existe pas dans son dictionnaire. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Et il dit tout ce que vous me demanderez au Père, au nom suprême de Jésus, je vous le donnerai afin que votre joie soit parfaite. J'entends le Seigneur me dire que tu as ri, mais tu n'as pas bien ri. Parce que la saison de tes rires aux éclats est arrivée. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Dieu dit qu'il te fera rire aux éclats. Il te fera rire aux éclats. Il est en train d'achever les travaux de finition sur la maison. Les derniers coups de vernissage, de peinture et de remettre l'éclat de la gloire à la maison qui t'a réservée. Acclame le Seigneur. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui croit que quelque chose a pris place dans sa vie cette nuit? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie dans la présence du Maître? Amen. Dernier acte prophétique. Regarde tes mains, regarde tes mains, regarde tes mains. Et déclare après moi ceci, mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Donc déclare encore. Mes mains sont bénies. Avec ses mains. Avec ses mains. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je suis ouvrier. Je suis ouvrier. Avec Dieu. Avec Dieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Tout ce que j'entreprends. Tout ce que j'entreprends. Prospère. Prospère. Tout ce que je touche. Tout ce que je touche. Est béni. Est béni. Tout ce que je commence. Tout ce que je commence. J'achève. Je l'achève. Mes mains. Mes mains. Sont bénies. Sont bénies. Ah, je ressens la chaleur sous ma main droite. Pose-la sur ta tête. Déclare, j'ai la sagesse de Dieu. J'ai la sagesse de Dieu. J'ai l'intelligence en haut. Et l'intelligence en haut. Ce que je fais. Ce que je fais. Réussis. Réussis. Par Dieu. Par Dieu. Est avec moi. Est avec moi. L'onction. L'onction. De la prééminence. La prééminence. La prééminence. La prééminence. La prééminence. La prééminence. Et mon partage. Et mon partage. Au nom suprême, au de, nom Jésus. Suprême de Jésus. Je puis tout. Je puis tout. Par Christ. 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 Je puis tout. Je puis tout. Par Christ. Par Christ. Qui me fortifie. Qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout. Je m'interdis. Je m'interdis. Raoul Wafo. Joël, je t'interdis. Je t'interdis. Je t'interdis. Je t'interdis. De te limiter. De te limiter. Car. Car. Tu n'es pas en terrestre. Tu n'es pas en terrestre. Tu es en céleste. Tu es en céleste. Tu es en fils de Dieu. Tu es fils de la Dieu. Capacité. La capacité. De Dieu. De Dieu. Est en toi. Est en toi. Raoul Wafo. Je t'interdis. Je t'interdis. De douter. De douter. D'avoir peur. D'avoir peur. Je t'interdis. Je t'interdis. De penser petit. De penser petit. Je t'interdis. Je t'interdis. D'être aveugle. D'être aveugle. Regarde. Regarde, 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 et vois ce que le ciel, ce que le ciel t'a réservé, a réservé. Oui, oui. Raoul Wafo. Je te Raoul Wafo.
Je t'interdis. Je t'interdis. Maintenant. Maintenant. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Quelle que soit la nouvelle que tu recevras, que tu reçois, de douter de ce que Dieu de ce que tu es a accompli. A accompli. C'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. Il a dit, je bâtirai mon église. Mon église. Mon église. Mon église. Et les portes du séjour des morts, séjour des morts ne vont pas prévaloir. Ne vont pas prévaloir. Contre elle. Contre elle. Raoul Wafo. Raoul Wafo. Tu n'as rien à craindre. 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 Celui qui est en toi, celui qui est en toi, est plus fort, est plus fort que celui, que celui qui est dans le monde, qui est dans le monde. Et tout ce qui est né, car tout ce qui est né, tout ce qui est né, tout ce qui est né de Dieu, de Dieu, triomphe, triomphe du monde, du monde. Et la victoire qui triomphe, triomphe du monde, du monde. C'est la foi, c'est la foi. Raoul Wafo, tu es victorieux, tu es victorieux, tu es victorieux, tu es victorieux en Christ, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort.